Amis, bonsoir. Notre sujet d'aujourd'hui, donc c'est quoi? Donc c'est nous avons n'est-ce pas ça une portée de 6 mètres. Donc nous allons déterminer n'est-ce pas ça le nombre de cadres et le nombre de barres d'armature transversale pour cette portée. Donc n'a pas ça les amis Facebook, les amis YouTube, n'a pas salué nous. Donc n'a pas dit un grand bonsoir. Amis Facebook, yo, n'a pas dit, essayez de monter sur YouTube, tapez Milo mon construction, ou après nous parler de construction. Et nous parler seulement de construction, nous aider surtout professeurs et élèves tout au niveau NS3 et NS4, parce que nous avons un centre qui est légal, que nous avons un centre technologique de mécanique. Dans ce sens-là, nous avons une formation dans la mécanique surtout aux professeurs et élèves. D'accord? Nous avons une formation, après ça, on va recevoir un certificat de participation qui est légal, que nous avons qui sorti dans ce centre-là même. Et sans ça, c'est un centre dont Milo Raymond, moi c'est PDG, n'est-ce pas ça? Sans ça. Et normalement, nous pas arrêter seulement dans la formation avec professeur, nous construisons tout. Milo Raymond Construction, nous fait études. Alors normalement, notre spécialité c'est en BTB. Donc nous fait études, nous construisons et nous fait supervision tout. D'accord? Mais pas bien, lorsque nous avons construit pour que ça nous fait, nous tenons compte de ça. Sécurité et économie. Ça, c'est primordial pour nous. Donc ça, c'est notre priorité. D'accord, chers amis? Pas oublier, tout le monde qui a besoin, soit pour formation, eh ben, écrit sur 44-79-98. Pas bien, nous avons un livre mécanique que nous vendons tout. Donc, document mécanique, là, nous vendons sous format PDF. Ou à écrit Milo Raymond pour vendre nos documents ça, avec tout correctum. Donc, c'est comme ça. 44-62-09-98. Donc, c'est mon numéro. D'accord? Donc, rapide, vite, nous passons dans le vif sujet. Et vif sujet, c'est qui s'allait. Là, nous avons, n'est-ce pas ça, un chaînage horizontal supérieur. Autrement dit, n'est-ce pas ça, ceinture générale. Donc, tout coup, nous avons dit ceinture. Et ceinture générale, ça, donc nous-mêmes, en construction surtout, et nous, comme ingénieurs, donc ça, c'est une poutre. Pour ça, nous calculons. Chers amis, attendez bien. Nous-mêmes, comme ingénieurs, nous n'avons pas choisi dans les comme ça. Ça fait demi, ça c'est fait quart, ça c'est fait 3/8. Nous avons fourré dans la poudre là comme ça. Nous faisons calcul. Et ça fait dans l'école. Nous faisons calcul. Mais là, nous avons, n'est-ce pas ça, une portée de 6 mètres. C'est quoi une portée? Couramment, nous sommes capables de dire une portée, c'est distance entre deux poteaux. D'accord? Là, si nous gagnons un poteau et puis nous gagnons un poteau là, donc cette longueur, encore cette distance, nous relève le porté. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Donc, après avoir fait une coupe, qu'est-ce qu'on trouve? Mais ça me joigne. Là, moi, je n'ai pas ça. Des bas, oh, là, on juste arranger ça. Là, on peut me dire recouvrement. Bon, tu parles de ça parce que recouvrement n'est pas primordial pour nous. Là. Pour qui ça? Il n'est pas primordial. Pour qui ça? C'est parce que là, moi, j'ai une portée de 6 mètres. Si j'ai une portée de 6 mètres, et pour plus petit bar, nous gagnons en Haïti, yo, donc il fait 23 pieds. Pour plus petit, il fait 23 pieds. Si on fait 23 pieds, lorsqu'on convertit 23 pieds, donc là, environ 6,90 m. Donc, s'il fait 6,90 m environ comme longueur, je n'ai pas besoin de longueur de recouvrement, je n'ai pas besoin de longement. J'ai beau ce qu'on dit là. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que yon bas a bon longueur que besoin. Mais par contre, m'a gagné, n'est-ce pas ça, environ 90 cm caprité comme bout fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous-mêmes, qui ça nous voulait, je veux dire, nous voulons déterminer le nombre de cadres et la quantité de barres d'armature, appelées des barres d'armature transversales. Écoutez bien, chers amis. Mes barres que nous voulons des barres d'armature, appelées des barres d'armature longitudinales. Donc ça c'est barre d'armature longitudinale. Mais yo, qui va venir le plus souvent? Et nous avons des barres que nous voulons des barres d'armature transversales. Donc c'est eux même ça place en hauteur, yo, en hauteur, yo, en hauteur. Nous connaissons les cadres, nous connaissons les étriers, nous connaissons les épingles, etc. Donc c'est eux même que nous des barres d'armature transversales. Mais le plus souvent, bon, ça nous voulons les étriers, quitte les cadres, quitte les épingles, quitte les étrier par et qui c'est tête lui-même en bien juste reler étrier mais cadre étrier épingle donc nous le et ces barres font partie n'est-ce pas de barres appelées des barres d'armature transversales.
Là, nous avons une portée de 6 mètres. Donc, pour cette portée, nous allons déterminer sur ça le nombre de cadres et le nombre de barres d'armature transversale. Barres d'armature transversale, nous plus utiliser. Alors, barres nous plus utiliser pour armature transversale en Haïti. Donc, c'est le plus souvent, c'est fait quand et puis ça que nous relais des barres, que nous relais des barres 3/8. Exemple. Eh bien, nous voulons, n'est-ce pas, déterminer le nombre de barres d'armature transversale. Donc, voici la relation, cette relation. Donc, c'est à voir, n'est-ce pas, pour trouver, n'est-ce pas, le nombre de, la, une quantité, normalement une quantité, eh bien, il faut faire une division. Entre. Donc, si on fait division entre mètre linéaire, eh bien, ça a bonne quantité. Nombre de mètres linéaires divisé par longueur d'une barre. Explication. La longueur d'une barre, qui va m'utiliser? Donc, c'est barre fait K. Donc, c'est fait K m'a utilisé, n'est-ce pas, ça pour amateur que nous l'amateur très bien ça dit ça m'a placé comme ça comme cadio ça nous connaît les trio d'accord boss moi c'est fait quand m'a utilisé mais moi mon fonction d'expérience que me fait moi que fait caillou diminuer donc l'autre l'aime d'avoir étudié donc longueur fait caillou c'était 20 pieds cultivé maintenant après expérience nous après achat que nous fait, nous remarquons que fait caillou passer à 15 pieds. Il y a des gens qui passent à n'importe pas 13 pieds. Par contre, on a 16 pieds, 17 pieds. Il varie. Lorsque nous convertissons, n'est-ce pas ça, et longueur fait caillou ça en pied, alors qu'il c'est 15 pieds, donc il va nous 4,50 m lorsque nous mettons 1 mètre d'hier. Donc là, nous venons la longueur d'une barre. Donc ça, c'est la longueur d'une barre. Donc qui fait nous dit, donc c'est fait caillou nous utiliser. Donc c'est fait caillou que nous utiliser. Est-ce que vous entendez? Maintenant, nous besoin le nombre de mètres linéaires, n'est-ce pas ça, pour pouvoir calculer le nombre de barres d'armature transversale. Nombre de mètres linéaires, là, dépend de qui ça? Le nombre de mètres linéaires, il dépend de qui ça? Il dépend de longueur développée en cadre, et puis il dépend du nombre de cadres que nous gagnons. Donc, pas bien, lorsqu'on prend quantité multipliée par nombre de mètres linéaires, là-bas, nombre de mètres linéaires. Donc, plus on met le nombre de mètres linéaires, on va multiplier par la quantité, la quantité. En baisse, le nombre de mètres linéaires pour nos cadres, et puis, ça que nous voulons, le nombre de cadres. D'abord, nous posons une relation qui dit le nombre de mètres linéaires que nous avons besoin dans le cas, ça, c'est longueur en cadre multiplié par le nombre de cadres. La première chose, ça n'a pas déterminé, ça, et longueur développée. Donc, ça, c'est longueur développée. LD veut dire longueur développée. Longueur développée, mais ça veut dire en termes de ferraillage. Et qui sont là? Qui sont remarqués là? Ma bonne explication. Donc, ça, c'est HP. HP veut dire hauteur coûte. Chers amis, donc lorsqu'on a parlé de hauteur poutre très souvent, est-ce que vous comprenez ça que je dis par là, étudiants et professionnels? Hauteur poutre là, en Haïti, je capable de comprendre bien. C'est hauteur que nous voulons, hauteur chaînage supérieur, mais hauteur ceinture là. Lorsque je m'a dit cela avec épaisseur d'alan, c'est lui-même qui bon hauteur poutre là. Est-ce que vous entendez, chers amis? Donc ça, c'est la hauteur de la poutre. En termes de finition, elle dit lorsque retombée poutre là, que nous relais hauteur chaînage là, ou hauteur ceinture là, avec dalle finie, donc c'est ça me parlait là. Mais en termes de ferraillage, faut nous retirer enrobage. Il faut gagner enrobage. Et bien, après, nous te fin faire prédimensionnement pour que nous te gagne. Nous t'ai choisi une hauteur après de faire dimension nous t'ai choisi une hauteur en fonction de norme parasismique hauteur là pour norme parasismique hauteur minimale là c'est 30 cm elle dit si mon poutre avait dit hauteur chaînage là puis épaisseur dalle là que nous voulons hauteur dalle là lorsque m'additionner yo si le plus petit que 30 cm ça me fait et pas pour que lié parce que ça ne respecte pas n'est-ce pas ça et les règles de norme parasismique base pour l'entour, s'il pas fait 20 cm, lorsque le finit, vous amis, elle dit lorsque je finis couler le béton, oui, parce qu'habituellement, mais comment nous trouvons, je mets bloc 12, je fais le flush. Est-ce que ça respecte directement, n'est-ce pas ça, les normes parasismiques? On connaît les règles parasismiques. Est-ce que ça respecte? Non, ça ne respecte pas. Parce que pour Pipiti, m'a bien une base pour 20 cm, m'a bien une hauteur pour 40 cm. Est-ce que vous êtes, chers amis? Ah ben, nous ça nous fait. Voilà. Et pas bien que Haïti et majorité zone que nous gagnons, donc nous gagnons pile faille.
Ouais, nous traversons par un pile faille. Ça veut dire, continuons à supposer respecter surtout les règles parasismiques. Chers amis, qu'est-ce que ça nous fait? De ça où on est là, donc ça c'est cadre là que on est là. De ça que nous voulons cadre, cadre, cadre. Ou pas qu'on ouelle? Ou pas qu'on ouelle lorsque et bon, je passe une série de faits tout long sous tel bloc là, les affaires supérieures là et chaînage supérieur horizontal là. Et bien, bas ça nous les débats d'amateur longitudinal. Après ça, en bas ça y est, où on passe une série de cadres. Et bien, bon ça qu'on ouelle les trier. Je vais placer trier. Pourquoi comprendre puis bon dit dans la gaille ça. Vous comprenez? Eh bien, après nous fin faire ça, eh bien, regardez pour en termes de ferraille, mais ça veut dire. Mais bar ça que nous voulons, bar ça et nous même nous voulons surtout des des bars, ces bars. Donc ce sont des bars d'amateur longitudinal. Et au même qu'il a. Eh bien, soit encadré là, eh bien, il y a des bars d'amateur. Alors, ces bars, ce sont des bars d'amateur longitudinal. Et puis, soit qu'en cas de là, ce sont des bars, et c'est un bar que nous les bars d'amateur transversal. En termes de ferraillage, qui ça nous voulait faut comprendre? Donc, lorsque moi j'ai un cadre, il y a une base, il y a une hauteur. Et les mêmes bases, les mêmes nous les ajoutons. D'accord? Et bien, besoin de longueur développer. Li. Si nous besoin de longueur développer 4 ça, eh bien, je vais plus d'explication. En bas ça, je vais avoir un haut bas. Le plus souvent, bon, je kon le a fait et ferraille, ça qu'on fait, et bien, on juste mette chita, ba fe a passé en longueur, qui nous le bas d'amature et longitudinal, yo kon juste mette chita seulement sous bloc là. Vin pa gen béton qui passe en bas, qui en haut bé y fait. Et bien, faut qu'on mette en haut bas, faut mettre des cales d'épaisseur, juste pour avoir, n'est-ce pas ça, yo en haut bas qui correct, surtout les normes passées. Moi-même, normalement, en haut bas, pour petit, en haut bas, je suppose qu'il était 2,5 cm. Et là, nous campions dans la construction. Là, nous étions dans la construction, surtout les constructions, surtout en béton armé. Donc là, et moi-même, plus respecter ça, 2,5 cm. Vous comprenez? Pour petit, je ne peux pas descendre plus bas. Et normalement, là, moi, gagné une base, je peux quitter qui combien? Qui était 20 cm. Qui ça me fait? Moi, je dis, besoin le nombre de cadres. Et la longueur développée, qui ça me fait? La longueur développée de 4, qui ça me fait? Un bien me dit, dans 20 cm que pour tenter gagner comme base là, un bien m'a prêté 15 pour ferraille. Ça veut dire, m'a prêté 5 cm. Dans 5 cm là, ça a passé, m'a gagné 5 cm là, 5 cm là. Alors, m'a gagné 2,5 cm là, 2,5 cm là, 2,5 cm là, 2,5 plus 2,5 là, 5 cm. Donc, dans 15 là, m'a prêté 2,5 plus 2,5. Juste pour me capable venir lorsque je fais couler béton pour me gagner une largeur ou une poutre qui est égale avec 20 cm. Hauteur pour nous c'est 35 cm lorsque nous déprenons. D'accord? En bien dans 37 là, moi prends 27 là, m'a prêté 8 cm. 8 cm là, moi pas partager en haut avec en bas. Elle dit lorsque moi en bas, moi dit boss là et garder gérer ça pour moi non. On gère ça rapide vite en bas là gérer en haut bas et puis les moi vont là encore, m'a gagner une attente qui va le rester. Pas bien voilà. Ça, c'est la hauteur de la retombée. Ou encore, la hauteur du chaînage horizontal supérieur. Ou bien, la hauteur de ceinture que nous avons, ceinture générale. Mais hauteur ça. Habituellement, nous coulons la 20 cm. Et pas ça, bon, ça qu'on a habitué à faire. En bien, nous mettons reste fait en l'air. Nous-mêmes, nous voulons attente. Attente ça, habituellement, qu'on était à 7 à 10 cm. Donc, c'est dans l'attente ça, lorsque je gère la question de ferraille d'Allemagne, je vais passer faire surtout. Ou d'accord? Pour gérer ça. Ou d'accord? Eh bien, normalement, ça nous dit, mais attente qui était là. Eh bien, dans l'auteur, je gagne avec 35 cm, je prends 27. Dans l'âge, je gagne avec ce bas là, je prends 20 cm, je prends 15. Donc, je prends 5. Donc, 5 cm là, nous allons partager comme en haut-bas. Et puis, 8 cm que nous gagnons, nous allons partager comme en haut-bas en l'air avec en bas. Ok, les mouvements là m'a fait parler de ça. Longueur développée, hein, c'est base, hauteur et triam supposé gagner en termes de ferraillage pour me faire une longueur développée. Eh bien, ça fait nous dire longueur développée, hein, c'est deux fois hauteur, là, hauteur ça va être deux fois, ouais, deux fois hauteur, là, plus deux fois largeur, là, qui c'est base là, plus 10 cm, combien de cm ça? Crochet, premier crochet, je gagne 5 cm, deuxième crochet, je gagne 5 cm, ça veut dire 10 cm. Maintenant, lorsque je m'additionne 27 cm plus 4 cm, ça veut dire 42 cm.
Donc, je vais gagner 2 fois 42 plus 10. Donc, lorsque je vais additionner et multiplier, multiplier, additionner, donc ça va être 94 cm. Donc, lorsque je mets la mètre linéaire, ça donne 0,94 mètre linéaire. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, là, une fois que je vais gagner une longueur développée, je besoin que ça, besoin d'espace, le nombre de cadres. Le nombre de cadres à déterminer, comptez-moi le nombre de cadres. Le nombre de cadres, c'est avoir, n'est-ce pas ça, la portée, encore la longueur totale, divisé par espacement moins 1. Donc, à combien m'a placé cadre ou bétrie à Bossa Remédia? À combien m'a placé l'ingénieur? À 15 cm. En bien, c'est la longueur de cette portée, qui c'est L, divisé par espacement de cadre. 15 cm et puis moins 1. Et ça ne va le faire là. Si 6 mètres, donc, puisque je me dis 15 cm, il faut convertir en mètre pour que ça, parce que je me garde une portée en mètre, donc il faut convertir ça en mètre tout. Mais 15 cm là, mettez-le en mètre, il m'a 0,15. Mais lorsque je m'a placé, donc, dans le ruban métrique là, c'est en centimètre que je me garde boss là, on est calé 15 cm, 15 cm pour gérer ça. Mais en termes de calcul, c'est ça que nous faisons, il faut convertir en mètre. Donc, lorsque je me fais 6 divisé par 0,15 là, bon 40, et puis 40 moins 1. Donc, 40 moins 1, ça bombe exactement le nombre de cadres que m'a besoin pour une portée de 6 mètres. Est-ce que vous comprenez bien? M'a besoin 40 ou 39 cadres pour cette portée. N'oubliez pas, à l'extrême, ça veut dire tout près pour tout you. Tout près pour tout you. Ça n'a fait, m'a placé chaque cadre à 5 cm. Ouais? En termes de ferraille, moi, je prends le premier cadre, je prends le frapper dans le poteau, je vais placer le premier cadre là à 5 cm, à l'extrême. Je prends l'extrême ça encore, je vais frapper le premier cadre là encore, dans le poteau encore, donc je vais aller 5 cm. D'accord. Elle dit chaque grain étrier, chaque grain cadre supposé placer à 5 cm, de part et d'autre. Elle dit à l'extrême, ou encore à l'extrémité. Est-ce que vous comprenez bien? Ça clair. Maintenant, une fois que je finis ça, longueur développée à qui c'est 0,94 mètres linéaires, et puis je finis ça, nombre de cadres qui c'est 39 cadres, bien, lorsque je prends la longueur développée mesurée par le nombre de cadres, ça, là, bon, moi, je compte de mètres linéaires. Et bien, calcul, je fais là. Je retourne, je dis, le nombre de mètres linéaires, c'est qui ça? C'est longueur développée multiplié par le nombre de cadres, moins que longueur développée, à combien les chers amis, 0,94, multiplié par le nombre de cadres, c'est 39, mais qui ça baille exactement, ça baille exactement 36,66 mètres linéaires. Maintenant, le nombre de mètres linéaires, je parle de calculer le nombre de bas de Mathieu, c'est ça, c'est 36,66 mètres linéaires. Maintenant, je vais diviser par combien? Je vais diviser par longueur d'une barre, qui va lier, c'est faire K moins utilisé. Longueur, on fait K. Donc, il va rien nous dire, chers amis. Donc, moi-même, pour expérience PAM, je dois rajouter avec 15 pieds. Donc, lorsque je prends 15 pieds, je convertis l'espace à 1 en mètre linéaire, il va 4,5 mètres linéaires. Eh bien, je vais juste remplacer le nombre de bas. Je vais vous donner la relation ça. Eh bien, le nombre de mètres linéaires, qui c'est 36,6 mètres linéaires, lorsque je divise par la longueur d'une barre, il va 4,7 mètres linéaires. Donc, ça, lorsque je prends mètre divisé par linéaire, il va bonne quantité. Donc, là, moi, j'ai gagné 8,146 bars. Écoutez bien, moi, j'ai gagné 8 bars plus 0,146 bars. Ça m'a fait 0,146 bars. Est-ce que moi, je peux l'acheter comme ingénieur? Non, je ne peux pas l'acheter. Si on prend 8 bars pour faire bagarre, on va mettre ça dans le cadeau. 8 bars pour faire. Maintenant, si on va faire 0,146 là, eh bien, il faut que moi ajoute un grand souli. Mon secrétaire l'a prêté. Ou d'accord? Donc, finalement, il faut arrondir. Donc là, ça donne directement 9 bars. M'a besoin pour faire carl qui longueur 15 pieds. Vous précisez bien, oui. Lorsque la longueur de la barre, appelée barre d'amature, qui s'est fait carl, il varie, m'a changé la longueur d'une barre. Là. Ou dans les amis, en bien, puisque en fonction d'expérience, nous, en fonction de achat que nous faisons déjà, nous trouvons une longueur à 15 pieds, parce que moi-même, lorsque je m'achète balle, je toujours regarde combien le bam, et en fonction de ça, je trouve mesurer le tout. Vous d'accord? Mais lorsque je fais une bombe, ça le bam, il bam 15 pieds, qui c'est 4,5 mètres linéaire. C'est-à-dire, pour cette portée de 6 mètres, cher ingénieur, bosse là, mais soit fait, moi, bosse là. Vous pouvez couper chaque grain 4 saillots à une longueur de 94 cm, bosse là. Vous avez cher boss?
ou a fin coupel, l'on fin coupel, en bé, la bombe exactement, ou a même pas l'acheter 9 bas, dans 9 bas, m'a vu exactement, n'est-ce pas ça, 39, 4 la donne avec yon morceau qui a prêté. Donc, pourquoi ça morceau ça a prêté, m'te ka fait l'exact, c'est parce que, comme ingénieur, m'a pas trop responsabilité, n'est-ce pas ça, en bé, si par exemple, a prêté 0,56 bas, mais ça m'a fait 0,56, en bé, il faut ajouter pour trouver, n'est-ce pas ça, pour trouver 9 bas, dans 9 bas, la bombe 39, 4 là exactement avec un morceau qui a prêté. Et soit tes besoins menés, il faut encadrer. Donc ça c'est un calcul manuel que nous faisons. Donc ça sont avant qu'on baoule là. Nous-mêmes nous faisons des vies surtout pour moi. Et avant nous finir, donc ma faut parler de ça. Chers amis, on vidéo nous va faire pour ça, bon tout parler de ça. Chers amis, donc lorsque nous parlé de dosage, ou m'a ingénieur pour faire un devis pour vous. Pour la quantité de, par exemple, quantité de sacs de ciment que l'a besoin, quantité de gravier, sable l'a besoin pour un béton. Après ça, ou dire qu'il y a fait calcul l'entrop. Tenez mes chers amis, le par exemple, pour faire mélange là, c'est ingénieur qu'on est comment, en fonction des calculs, il fait à qui mélange n'a pas gagné. Est-ce que son mélange 1, 2, 3? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que son mélange 1, 4, 2? C'est en fonction de ça que l'ingénieur a fait calcul là lui-même. Si par exemple, ou choisit ou dit boss là, eh bien, boss là, l'ingénieur a fait bail à 3 pour ça, boss a fait lui-même qui bon. Non, boss a fait ma 4. Écoutez bien, ou pas dire gravier m'te 3 ou pas dire sabre m'te 3. Pour qui ça dit ça? Parce que sabre ou acheté à si on sabre là, il y a une tête là-dedans, boss a dit puisque il y a une tête là-dedans, ça l'a fait, il n'y a pas ajouté gravier en plus gravier là-dedans. Est-ce que calcul ça et calcul ça, vous te demandez de faire pour vous? Non! Ou moi de m'poumbo, on sabe qui se on sabe donc qui sorti dans vos bénéfices. Ou moi de m'poumbo, gravier qui sorti dans vos bénéfices. Moi me fais en fonction de ça. Maintenant, pour cette quantité se respecte, il faut que l'ingénieur soit là. Si je parle à Zamim, mes yeux, ça ne va pas dire me calculer trop, ou pas dire me faire calculer trop. Et pourtant, lorsque boss l'an li fait mélange l'IA, ça va passer proportion mal faite, Zamim. Parce que des fois, il y a un bon faire comment le faire. Si vous mettez 5 bouquets de sable, vous mettez 5 bouquets de gravier. Bon, ça va acheter quand même, vous frappez, nous allons acheter. Hein? Est-ce que vous d'accord? Est-ce que vous d'accord son béton que le fait là? Et il faut ajouter ça, la quantité d'eau pour avoir la consistance la consistance voulue. Eh, monsieur, ou pas qu'à moi de vous faire des vies pour vous, bon, quantité de sable bien, quantité de gravier bien, en fonction des mesures que vous gagnez, après sortir, je n'ai pas de la trop. Non. Et parce que vous avez mal fait mélange là, qui fait ou dim les trop. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Parce que nous-mêmes, nous faisons calcul, nous faisons en fonction de ça que nous étudions. Et ça, nous étudions à l'heure exacte. Il n'y a pas de mentir là-dedans. À très bientôt. Ciao, ciao, chers amis. OK?